Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Blood Bowl 2. On va jouer les Doomlords. On a fait un match pour tout le monde, tout le monde a eu sa victoire, hein. Même les Bretoniens, quoi qu'on en dise. Et enfin, on va jouer notre équipe de... c'est KO, hein? Ouais, KO. Hop, allez, c'est parti. Je vais juste aller vérifier si on avait perdu des gens la dernière fois. Si on avait des blessés, on a petit vert qui sera pas là, donc remplacé, et on a zéro dessous, mais on a la peau cette fois-ci. Ok, deux relances et l'apothicaire. Bon, ça va être compliqué d'acheter le guerrier du chaos quand même, hein. Il va falloir qu'on économise ou alors réussir à faire abandonner un adversaire pour avoir le double dessous pour pouvoir toucher au moins 100 000 d'or, ce qui va être aussi un petit peu plus compliqué, et tout ça sans perdre d'autres joueurs. Le truc. Mais bon, avec l'apothicaire, on a investi déjà dans la non-perte d'un autre joueur. Bon, en espérant qu'il nous tue pas nos gars avec sa chirurgie de terrain. Alors, combien de temps c'était? Je sais plus. Je vais vous épargner l'attente. Ok, alors, on a affaire à une équipe d'elfes sylvains. Ah! Alors, ça c'est agréable et en même temps c'est désagréable. Pourquoi? Parce que c'est agréable quand on va pouvoir blesser. Donc on va avoir des XP de blessure. Mais on va perdre le match. C'est aussi simple que ça. Il y a peu de chances qu'on puisse concurrencer des elfes sylvains à la gestion de la balle. Le seul moyen, c'est d'avoir le coup d'envoi et de squatter la balle avec un 4 de force. Et en plus, il prend une serveuse, donc même les KO vont revenir. Ah là là, ça va être horrible. Espérons qu'il ait qu'un seul War Dancer. Ça serait plus simple à gérer si on en a qu'un à tuer. Et qu'il est alors lent, pareil, on n'a pas envie de le voir. En fait, c'est horrible. Elfe sylvain, c'est pénible. Mais des fois, ils vont faire un match et ils vont perdre la moitié de leur équipe. Espérons que ça soit ce match. Mais on n'a pas encore les armes. On a ni des tacleurs, on a ni des bloqueurs. Oh là là. Ça va être très très dur. Ouais, ça va être l'enfer. Bon, on est chez nous. Bon, bah c'est bien de tomber sur des match-up un peu difficiles comme ça. On verra bien ce que ça donne. Je préfère largement avoir une équipe Nurgle si je tombe sur des elfes sylvains. Par contre, c'est vrai que dans d'autres match-up, je préfère avoir les KO qui sont beaucoup plus offensifs et stables que Nurgle. Bon, deux War Dancers. Il a deux relances, il a pas d'appo. Donc on va avoir des XP gratos de frappe. Et c'est tout ce qu'il a. Ok. Donc c'est que des 3 quarts le reste. Que des 3 quarts. My god. Si tu lui tues ses deux War Dancers, il a plus d'équipe. Ok, alors on place nos joueurs en défense. Alors en défense, est-ce qu'on peut simplement y aller à l'attaque? Non, je pense que le Blitz du Minotaur sera utile. Allez, c'est quand même... Je le recule juste un peu pour pas se faire marquer facilement. On va pas faire... Ah si, on va faire un anti-débordement, allez. Bien que son elfe, de toute façon, va courir partout. Voilà, on va la jouer comme ça. Je devrais peut-être avancer le Mino 2-1. Bon, allez, soyons violents. Mais bon, il peut passer facilement, hein. Alors là, je lui laisse des blocs faciles à faire sur nos 4 de force. Parce que les blocs qu'il va utiliser là, ça fera toujours des actions en moins pour lui. Et ça peut le motiver à mettre un bloqueur. Vous voyez, moi j'utilise mes War Dancers ici. Pour taper, en fait, quand j'ai l'attaque. Et après, pour aller marquer, je démarque d'autres joueurs. Parce que les War Dancers, finalement, sont pas meilleurs pour marquer, hein. Par contre, ils sont meilleurs pour boiter vu qu'ils ont bloc. Et pour résister à un contre-bloc éventuel. Donc voilà, là il aura, vous voyez, 2 dés. Mais ça lui coûte quand même des joueurs. Qui vont devoir rester là. Ok. Après, il aurait pu éviter de marquer celui du centre. Il a besoin que d'en mettre 3. Pourquoi mettre le quatrième? Pour nous gêner. Et en fait, c'était là-dessus que je comptais, c'est le fait qu'il marque qu'avec 3 gars,
et qu'il utilise ses joueurs ailleurs. Et comme ça, si on avait Blitz, on aurait pu foncer directement avec un guerrier du chaos, par exemple. Donc là, il Blitz le mauvais. Parce que vous voyez, là, on est séparé de deux cases. Donc, en fait, il peut pas passer à part s'il fait un bond. Mais un bond, c'est toujours risqué. Je vais enlever la grille, hein, désolé. Voilà. Donc là, il ne passe pas. Parce que lui, c'est le leurre. Les deux autres étant la défense, en fait. Si on enlève ce joueur-là, la défense est toujours bonne. Vous comprenez? Donc s'il blitz le premier qui est devant lui, évidemment, ça ne l'avantage en rien. Et il n'a pas bougé son war, et c'est un turnover ici. Ok. Mais il avait gagné une relance. C'est ça? Ah, c'est con. Ok, ouais, il a gagné une relance sur le coup d'envoi, j'imagine. Voilà, donc là, on le force à utiliser plein de supports pour faire les blocs. On va faire un bloc à un dé, là, ça serait bête. Il va rajouter un autre support qu'il aurait pu mettre dès le début. Et finalement, il marque un de nos joueurs. Qui marque un guerrier du chaos ou qui marque un homme bête, c'est pareil pour nous. Hein. On aura un bloc difficile sur un War Dancer. Et pas de ramassage. Ok, bon, on va lui mettre un petit peu de pression. On est un peu obligé de mettre la pression, sinon c'est comme si ces échecs n'avaient pas d'importance. On a juste avancer une chèvre, qui peut se démerder toute seule avec ses cornes. Là on va relever le guerrier du chaos. 6, 7, on peut faire un blitz là-bas. Notre adversaire est déconnecté. Est-ce que ça serait pas un abandon déguisé ça? Là, le ramassage raté et après déconnexion, si vous voyez ce que je veux dire, peut-être qu'il a une mauvaise connexion, hein, qui sait. Alors là, l'idée c'était quoi? C'est les War Dancers sont impossibles à toucher, mais en fait, si je fais un blitz avec le Minot, j'ai 3D là. Et en plus, si je touche au premier taquet, même si je le blesse pas, admettons que j'ai pas la chance de blesser alors qu'il a 6 d'armure, on le met entre les deux. Donc il sera quand même bloqué sur ce jeu-là. Et ensuite, bah, on aurait mis les 4. Deux les uns derrière les autres pour faire un anti-saut. Probablement là, là et ici, ici. Bien que c'est pas génial, mais c'est une des rares façons de pouvoir les arrêter. Hein. C'est l'horreur les War Dancers de toute façon. Alors qu'on aurait pu mettre simplement un support pour eux au centre. Pour qu'il fasse des blocs à 2D sur les extrémités. Mais bon, déjà tout se serait joué au Minotaur, parce que en tuant un War Dancer sur une équipe comme ça où il a que des 3 quarts et 2 War, en général c'est bon. Et vous avez remarqué, là son plan de jeu c'était quoi? Traverser avec les War Dancers? Il a pas pu. Ramasser la balle? Il a pas pu. Donc je pense que les 4 minutes là, elles vont passer. Je vais couper la vidéo et on se retrouve à la fin du timer. Ok, je reprends là, il nous reste une minute à attendre. Je vais un peu meubler. Ouais, point de vue de ce qu'a fait notre adversaire là, juste pour expliquer. Il a aucun intérêt à s'empêtrer dans un match qui va pas l'avantager à sa première à son premier match, parce qu'en fait ça prend 5 minutes de faire une team. Si vous mettez pas des noms d'abonnés, ce genre de choses, ça va vite. Hein. Vous faites une team en 5 minutes, vaut mieux recommencer un match rapidement. Mais dans l'open ladder, c'est pas trop gênant. Parce que l'open ladder, vous pouvez réutiliser vos équipes d'une saison sur l'autre. Alors c'est assez étonnant qu'ils abandonnent assez facilement comme ça. Mais bon, ils veulent commencer avec une équipe entre guillemets intacte et tout ça. Pourquoi pas? Mais là, il aurait largement gagné le match. Hein. Avec KO, on a quasiment aucune chance de gagner contre Elfo Simba. Même si on démarre comme on vient de démarrer. Mais par contre, dans la champion ladder, je vous conseille, si vous pouvez, c'est pas d'abandonner. Bon, alors là, ça doit pas compter comme un abandon, parce qu'il a déconnecté, peut-être. C'est peut-être l'astuce, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, vous laissez tourner, vous allez vous prendre un café, le gars finit le match. C'est pas cool pour lui, mais il a des XP gratos, donc il le prend pas trop mal. Vous voyez? Ou alors, vous abandonnez, vous délétez la team, et vous en refaites une autre. Ça vous fait un abandon sur les 5, mais en général, vous n'allez pas abandonner X fois. Et c'est plus rentable dans la champion ladder, vu que ton équipe, elle dure que pendant 2 mois. Donc, à la fin des 2 mois, tu peux plus l'inscrire nulle part, vu que c'est une équipe avec de l'expérience, à part dans les ligues privées. Donc, voilà. Mais sinon...
c'est pas... Même si t'as une défaite, tant pis, tu grattes les XP au maximum. Si vraiment t'as des morts, oui, là, bon, bah, tu vires la team, parce que avec des morts, tu peux payer, après tu vas perdre encore plus, etc. Bon, bah, c'était un match rapide pour les taureaux, enfin, pour les chèvres. Alors, 5, on a gagné 50 000 dessous. Non, on a gagné 110 000 à cause de l'abandon. Cash. Donc, on va pouvoir acheter le guerrier du chaos. Alors, le remplaçant a rien pris, on va le refuser. Théodé qui passe de level, Steph le sage qui prend les 5 XP du match. On efface l'Ardif vu qu'il n'a pas eu de match. Oh, il suffit de pas beaucoup des fois pour les faire abandonner, hein. Mais c'est pas grave, on passe à la suivante. Ça va vite à uploader. On va juste faire le level là et acheter notre guerrier du chaos. Alors ce qui m'embête, c'est que j'aurais aimé acheter le guerrier du chaos au moment où j'avais un mort. Et là, pour le coup, on n'en a pas. Alors, les chèvres. Ça, c'est des belles bêtes. Parce que vous avez les compétences générales, donc vous pouvez pouvoir en prendre bloc, évidemment. Vous avez la force. Donc, c'est des... Tous les membres de l'équipe ont accès à la châtaigne. Tous les membres de l'équipe ont accès au bloc. Donc, vous pouvez déjà faire une équipe full châtaigne et bloc. Ce qui vous indique que si jamais vous avez 3 passages de level par chèvre... Vous avez déjà les deux compétences les plus utiles, plus une troisième, qui sera probablement griffe, dans les mutations. Parce que vous avez en plus mutations. Donc vous voyez, c'est des personnages super puissants. L'équipe du chaos est super puissante une fois qu'elle commence à avoir de l'XP. À cause de ça. C'est la seule force qu'elle a, hein, en vrai. Hein. Bon, les cornes, c'est bien, mais voilà, c'est pas la meilleure compétence du jeu. Hein. Par contre, c'est un des meilleurs développements pour la partie baston. Général, force, mutation. Mutation offre les griffes qui ne sont que dans les équipes KO, Skaven, KO et Nain du KO, et qui vous donne vraiment le petit bonus par rapport au jet d'armure. Bon, après, bloc est plus intéressant, ensuite châtaigne est plus intéressant, et ensuite seulement griffes est plus intéressant. C'est-à-dire que les uns s'améliorent avec les autres. Mais si tu commences par prendre griffe, finalement, vu que tu touches pas mieux, c'est moins bien que châtaigne. Mais châtaigne, c'est moins bien que bloc, statistiquement. Donc voilà. Après, ça dépend contre qui tu tombes. Si tu tombes contre une équipe de nains, bloc sert à rien, potentiellement, vu qu'ils ont tous bloc en face. Tu blesseras pas en faisant ça. Donc vaut mieux avoir un châtaigne contre les nains, par exemple. Mais voilà, dans l'ensemble, contre les nains... Tu peux tenir même si t'as pas griffe ou châtaigne. Par contre, si t'as pas bloc, tu tiendras pas. Donc, faut réaliser bien toutes les petites subtilités. Et contre les nains, ils vont pas te prendre de vitesse. Ils vont soit gagner la confrontation physique, soit la perdre. Voilà. Donc, si tu te mets des armes pour qu'ils la gagnent pas, finalement, c'est bloc, hein, les armes pour pas qu'ils la gagnent. Ou alors châtaigne aussi pour blesser ses joueurs. Mais t'as déjà le minot qui peut faire ça. Voilà. Bon. Par contre des coureurs elfes, si t'as pas bloc, bah tu fais rien. Parce que bloc, c'est entre guillemets ce qui va te sauver, avec tacle si tu peux. Mais tacle, pareil, on n'a pas envie de prendre tacle dans une équipe KO. Parce que ça nous bouffe une compétence, alors qu'on peut prendre châtaigne. Vous voyez? Donc les tacleurs n'apparaissent qu'au niveau 4. Au niveau 4, c'est quand la team a 2000 de TV, quoi. Et c'est pas bien. Donc en gros... Si on veut être vraiment, vraiment efficace contre toutes les teams, hein, et pas seulement contre les teams bash, il faut qu'on prenne bloc et qu'on ait au moins 2 tacleurs. Donc il faut qu'il y ait 2 de nos chefs qui aient bloc tacle et non pas bloc châtaigne. Mais le problème, quand est-ce qu'on va les prendre? À chaque fois qu'on va voir un level, on va se dire « Oh putain, châtaigne !» Donc on va commencer par châtaigne et on va se retrouver complètement perdu face à une équipe d'elfes, face à une équipe de Saurus. Parce que les Saurus, non seulement ils ont la force, ils n'ont pas les blocs, mais ils auront la force et ils auront les gars qui esquivent. Donc impossible de gérer une équipe de Saurus avec les KO tant qu'on n'a pas au moins un ou deux tacleurs. Après, c'est pas compliqué. Une fois que t'as un ou deux tacleurs, ils s'occupent des skins qui portent la balle, et le reste de ton équipe se focus sur les Saurus qui sont pas assez nombreux. Finalement, tu peux y arriver comme ça. Mais sans tacle, bah, tu fais quoi? Tu cours après les skins, t'y arrives pas, donc t'envoies plus en plus de monde, t'envoies des frénésies dessus. Enfin, ton Minotaur pour essayer de toucher, c'est l'horreur totale, et en général, tu perds. Donc voilà, plein de trucs à augmenter,
Bon, je conseille bloc, hein. J'ai fait quoi comme jet de dé? 7, 5, voilà. Je conseille bloc. Après, tu peux décider de prendre dextérité. Alors, personnellement, pour une équipe du chaos, si tu veux être le ramasseur de balles, hein, attitré de la team, il faut le développer en premier. Donc le premier qui passe de niveau, en général, c'est à lui que tu mets la dextérité ou les bras supplémentaires. En général, on prend bras supplémentaires, pourquoi? Parce que ça fait comme si tu avais 4 d'agilité pour ramasser la balle. C'est-à-dire que t'as pas de relance pour ramasser la balle, mais tu as quand même la possibilité d'avoir la relance d'équipe. Mais en plus d'avoir la relance d'équipe, tu as quand même un moins 1 de difficulté pour ramasser et intercepter. Bon, c'est surtout pour ramasser en vrai, hein. D'autres préfèrent main démesurée. C'est de main démesurée? Ouais, alors c'est pas marqué là, c'est très étonnant. Mais je crois que ça ignore les zones de tac quand tu tentes d'attraper la balle. Mais ça ignore aussi le malus, je crois, de la pluie. La pluie ne marche pas quand ta main démesurée. Ou alors ils l'ont changé, peut-être. Pour ceux qui sont au courant des errata, parce que là il n'est pas indiqué dessus, mais je croyais que main démesurée c'était justement pour la pluie à la base. Donc voilà. Bon, faudra me dire. Donc bras supplémentaires, très très bien. Très très bien pour ramasser la balle, pour l'intercepter, pour voilà. Bon, après, si tu veux être baston, évidemment, vaut mieux prendre bloc. Bon, on va pas en faire plus. L'équipe a gagné. On a nos 5 000. Eh ben, on va acheter notre guerrier du chaos. Alors, où sont mes listes? Hop, désolé pour ça. Je me lève, je vais voir sur ma commode. Alors, humain, chaos. Eh ben, j'avais oublié Barom. Donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'avais mis juste Captiver, c'est ça? Kars, Regis, Zealand. Captiver, oui, ok. Eh ben, Barom, tu vas être notre guerrier du chaos. Voilà, comme ça, tu auras attendu quelques matchs, mais au moins, tu as un guerrier du chaos aussi. Alors, c'est dommage d'avoir un joueur de trop, mais je pense qu'on en perdra assez vite, dans tous les cas. Hop. Je sais pas si l'orthographe c'est ça. Visage 1, 2, 3, 4. Tout ça je les ai déjà mis. On va te mettre celui-là. Il y a un septième. Ah. Ah ouais, le Hellraiser j'aime bien aussi. Allez, go. Dommage si c'est pas le bon orthographe. Alors, voilà, donc ça nous fait une équipe qui a augmenté de TV quand même, hein. Apothicaire, tac, on a 2 de popularité, du coup on n'achètera jamais les pom-poms ni l'assistant. Parce que les 2 de popularité feront en sorte. Les assistants, non, c'est popularité. La popularité représente l'image de votre équipe auprès du public. Elle peut avoir d'importants effets lors d'événements. Des événements de kick-off. Et quelqu'un m'a dit, alors je sais pas, je l'ai lu aussi, je crois, hein, que l'effet de popularité s'ajoute aussi bien en pom-pom girl qu'en assistant. Du coup, voilà. Parce qu'en fait, c'est un jet d'assistant en plus popularité, plus un dé de 6, genre, enfin, ou plus des dés. Et pareil pour les événements pom-pom girl, il y a toujours la popularité qui se rajoute. Donc au final, plus quand t'as beaucoup de popularité, t'as plus besoin de pom-pom ou d'assistant. Voilà. Après, la popularité. C'est lié au nombre de matchs que tu fais, simplement, hein, et que tu gagnes. Mais moins on a, mieux c'est pour nous, hein. Donc voilà, c'est en fait assistant coach et pom-pom girl, c'est pas si utile de mettre un maintenant, vu qu'il y a la popularité qui vient intervenir dedans. Tu tombes sur un gars qui a farmé une team qui a 30 de popularité, bon, il a 300 de TV en trop sur sa team, mais tu gagneras pas un seul jet de coup d'envoi, quoi. Alors. Bien que la popularité, ça se réduit, hein, les chances d'en gagner plus tu avances. Et ben voilà, on va stopper là. Merci d'avoir suivi et à bientôt.